Oh, t'es excité, toi, Ziva! C'est quoi? Tu fais un urbex? Bon, il fait quoi, le patron, là? Ah! Il chante! Charme. Ça va quoi? Bravo! Bravo! Ah Bravo! merci, merci, merci. Ah, je suis trop fort. Vive la chanson française sur Béradio! Vive la chanson française. Bah là, putain, ce soir, je fais que du français, hein, des questions. C'est bon le technicos là? Il a son grade? Il arrête de me casser les bridos? Non, mais... Moi, s'il vous plaît. Ok les gars, de mon côté, j'ai 3 litres d'eau à côté de moi. On est bon. Il faut que j'aille. Oui, alors je voyais deux, trois petits trucs, c'est bon, on est ok. Bah, prenez votre camion si vous voulez comme ça, ensuite moi je reviens là et vous décollez les affiches si vous voulez. Exactement. C'est Il y bon, en je suis a un là. deuxième de Speedo. Ça sonne de Allez. Speedo? Non, ça y est, il a pris le premier là et puis il va revenir et nous, bah, justement, on le suit et on On va va coller. taguer, on fait quoi là? Après, on le suit d'abord. C'est bon ça, l'équipe de B-Radio. Qu'il fait? Les yeux montrent ces deux camions de Bay Radio comme ça. Ah, c'est la classe quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là là. Lapin! Voilà. Allez, go! On arrive, mon on a poulet. Faim. On arrive, mon canard. Mon poulet. Tu vois, c'est un truc que j'apprends, je savais pas qu'on pouvait se péter le ventre comme ça. Et qui c'est qui avait fait caca? Merci à vous, bonne soirée. Vous passez quand vous voulez. Merci. N'oubliez pas, monsieur, à partir de 21h, vous écoutez B-Radio. Il y a 50 000 dollars à gagner, 3 nouveaux sacs B-Radio, 3 anciens sacs B-Radio, 3 casquettes B-Radio. Et à partir de 21h. Juste à écouter B-Radio, c'est tout. Voilà, on ça vous dit comment marche. Participer. Il y aura 6 gagnants. Allez, bonne soirée. Non. Merci beaucoup, 3 monsieur. 3 Non, non. Maintenant, tu fais partie de l'équipe encore. Ouais. Moi, je suis juste laveur de voiture, moi. Voilà, c'est le laveur de je m'occupe. Voiture. Il aura 54 de lavage. Voilà, allez. Voilà. Allez. Vas-y. Allez, bonne soirée. À tout à l'heure. Ouais, si tu veux. Oh là. Faudrait qu'on ait de la place ici. Ouais, là, il y a de la place. Vas-y, passe-moi une bombe. On descend et tu me la passes. Passe-moi une des deux, hein, pas les deux. Viens là, non? Bah, il y en a une là. Regarde. Il y en a déjà une, hein? Ah oui, tête de. Vas-y, bah, on part alors. Bah, oui, ça sert à rien. Hein. Normalement, pense... Oui, non. Non, il y en a pas. Ah, si, par terre, regarde. T'es où? Ouais, par terre. Ah ok, il a mis partout, c'est bon. Bah, faut en mettre là où il y a du passage. Tiens, là, par exemple, arrête-toi. Arrête-toi. Recule. Ah, mais ici, y a pas de passage. Y a pas de passage. Parce qu'il y a un mur quand t'arrives en face, tu vois. En voiture, tu la vois, l'affiche. Là, ah, t'as des murs, là, de côté, là, dans les carrefours, là. Tu peux, hein. Regarde bien les carrefours. C'est là où il y a du passage de voiture. Comme ça, quand les nouveaux... Et là, sur le poteau. Tu peux, sur le poteau. Ah c'est oui, plus voyant. Plutôt, c'est pas mal. Est-ce que tu peux? Vas-y, grave. Ouais, non, normalement je peux. Ah ouais, mais c'est pas beau. Bah fais-le non, quand même et puis le... on verra bien. Le top, ce serait de le faire par terre là. Bah vas-y, fais, allez hop, vas-y, parce qu'on en a d'autres à faire. Hein. Regarde, pousse-toi. Tac. Ça grave en grand. Regarde. Ah ouais, pas mal. Allez, c'est bon. Voilà. Suivant. Ici, là, t'en as des affiches. Dans le coin, là. Là. Vas-y. Tu veux que je la mette? Attends. Non, attends. Ah, oh, on va en mettre deux, hein. Oh, bah, elle va être bien affichée, il va être bien le graphe là, vas-y. Bah, regardez, moi c'est ce que je faisais avec lui. J'en mettais un ici parce que tout le monde vient. Tout le monde vient s'habiller, donc forcément, ils le voient.
Ouais. J'en mettais oui, ici, un, ouais. Un au niveau du parking, parce que tout le monde vient aussi, c'est le deuxième... Exact. Ah bah merci, c'est sympa. Ah, ça c'est pas mal. Ouais. Mais moi quand j'ai fait Arcadius, c'est ce que je faisais ici parce que tout le monde vient s'habiller forcément, donc voilà. On voit, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, il y a une tombola, il y a un truc comme ça. L'émission. Il y a une émission. Ce soir. Ouais. 50 000 $ tout ça. À gagner. Ah, voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est les têtes de con, j'avais oublié. Bon bah on va y aller, hein, sinon hein, parce qu'on va pas rester là. Ah ça y est. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Bah alors t'es sonné mec. Désolé pour moi j'étais vraiment pas touché. Non t'inquiète. Je vais aller à la pharmacie vite fait parce que là j'étais pas. Non mais t'inquiète y'a pas. Tranquille, t'inquiète, j'ai pas besoin d'argent. Vas-y. Ouais. Vas-y la bille. Et je recommencerai plus monsieur. Ciao. C'est pas grave. Ciao. T'es pardonné. Tiens, salut. Qu'est-ce que tu fais ? Jean-Bert. Excellent. Et que le chat il se balade. Ouais, on y va, hein, c'est bon, on n'a pas le temps. Elle est où la dame ? Elle est partie ? Bah, elle est partie. Pardon, monsieur, voilà. Vas-y, monte. Jean-Bert ! Moi aussi ! Ciao ! Vous êtes beau, monsieur. Sous Jean-Bert ! Vous voulez une pièce ? Non, il nous emmerde. Laisse tomber, il nous emmerde. On y va ! J'aurais une pièce. Non, tu nous emmerdes, alors on y va. Voilà, s'il te plaît, mec. Trop tard, c'est trop tard. Bah, s'il te plaît. Vas-y, je suis gentil. Oh. Vous petite... êtes la radio. Eh, je peux passer à la radio. Non, c'est pas possible, là. Vas-y, je peux passer à la radio. Non, tu peux pas. Vite, on s'emmerde. Allez, on y va. Allez, je salut! La radio, merde. Mais bon, pour ça, il faut travailler. Faut être trouver ça, un. Ouais. Tu sais faire les CV? Société du capitalisme, bande de merde! Ah, il a craché sur le camion! Oh. Les bouscule pas non plus, hein. On n'est pas prioritaire. Hein. Bah si, on est bien radio, on est pressé. Ah non, c'est là qu'on va retourner le camion encore, arrête. Là on peut en mettre une à la limite. Là sur le panneau là. Panneau? Là. À tu droite. Peux? Bah ouais, vas-y. Ouais, on peut. Recule. Vas-y. Alors si tu graphes, faut que ce soit droit, hein. Je vais te dire si c'est centré, si c'est droit, si c'est bien fait. Ah j'ai mis comme j'ai pu. Ouais, ça va. Ouais. C'est bien, c'est indiqué en plus ce soir, donc c'est ils sont bien. Hein. Ah bah là on peut en mettre une autre là. Mais de l'autre côté. T'arrêtes pas au milieu de la route comme ça. Garde de l'autre côté là. Ouais, si tu crois qu'il y a du passage. Je vais monter sur le camion pour la mettre. Ouais, t'es pas con. Est-ce que tu vas pouvoir? Oh bah alors là. Ouais, va bien se voir. Ah. Attends, je vais prendre une photo. Regarde. Attends, bouge pas, je vais prendre une photo. Bouge pas. Prendre une photo de toi. Pour montrer au patron que tu fais des conneries. Oh là. Ah, encore le panneau. Ah bah vas-y à fond. On est là. Je la fais celle-là. Bah, je vais essayer de la faire. Ah oui. Et là, en physique, ouais, tu zoomes. Muscle molette et tu zoomes. Muscle molette et tu zoomes à fond. Et voilà. C'est pas centré, mais. J'ai le soleil dans la tête, c'est pour ça. Non, parce que j'essayais de regarder. Enfin, attends, je peux pas être bon partout. Et pourtant, je suis graphiste, hein, mais bon. Allez, laisse tomber. Suivant. C'est pas grave. Ça reste pas. On en a la porte. À ma porte. On a perdu. Ah bah bravo. Bah voilà, encore une fois. Bah voilà. Va falloir faire réparer ça. Ça va être pour ma poire. Il va être fier de nous, ces deux. Bah, heureusement encore, c'est son émission. Ouais. Ouais, c'est quoi? T'as vu?
Non, j'ai rien vu. Il y avait attends, quoi regarde à gauche, il y a une autre grosse île. Bah, t'arrêtes pas dans le virage. Tu me fais peur là. Oui. T'es fou toi, mais arrête de t'arrêter au milieu de la route. Mais regarde, regarde à gauche, il y a une grosse île. T'as vu à gauche? Ah ouais. T'as vu? C'est l'île Béradio, ça y est, c'est bon. Et là, sur le petit muret, tu peux pas? Si, on peut... Non, regarde. Parce qu'on va la mettre en grosse ici. Ouais, allez, vas-y, en grosse. T'auras assez de peinture au moins. Regarde. Pshhh. Putain, y'a même un canapé. Oui, c'est la classe. Regarde, ça attire l'œil. Regarde, ça va attirer l'œil. Voyons voir. Waouh, ça attire l'œil. Limite, c'est même... Petit. C'est même mieux que l'autre. Allez hop, à dégager. On y va. Tu mets ça où? Encore par terre? T'es un fou toi. Eh, tu pouvais le mettre à côté là. Bon ok, d'accord. Taxi, plus c'est gros, plus ça passe. Ouais, alors, des fois plus c'est gros, plus on le voit pas. Alors c'est pareil. Regarde, moi là, je conduis bien le gros camion, on me le renverse. Attends. Et ça fait quoi si on si on met la promo chez les gangs? Vas-y, essaye. Le camion, on le voit plus. Bah non, mais essaye, vas-y. La camionnette, elle est démontée en pièces détachées. Ils revendent les pièces. Il y a personne. Hop. La tôle, c'est fait. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, elle se voit vachement bien. Vas-y, tu m'as conduit, parce que toi, j'étais pas confiance. Non. Il y a beaucoup de monde qui vient ici pour vendre leur coupe. Regarde ta portière. Oh non, putain, les mais deux sont passés. Mais t'as rien vu ou quoi? Oh la gueule de la Jeep. J'ai plus de portière. C'est pas grave, on a chaud. Oh, il y a un hélico. Où? Là-haut, en haut, derrière. Eh, il nous suit. Eh, il nous a repéré. Comme ça, c'est fait. T'es où? Bah, moi, je vais essayer, attends. Hop. Attends, je vais en mettre une, moi. Me dit... Ah ouais, on peut pas, t'as raison. Je pensais qu'on pouvait accéder à devant. Si, on peut accéder devant. Non? On peut accéder devant, non? Ah non, même pas. Laisse tomber. Voilà. Alors lui il arrive qu'il y a des trucs. Il est tombé. Eh bah attends, je ferai comment pour descendre? Ah c'est bon. Ouais, comment t'es resté accroché et j'ai vu. Bah pourquoi tu mets ça là toi? C'est un buisson. C'est à l'entrée de la plage. Les gens ils descendent toujours là. Tu vois, il y a énormément de monde. Ouais, mais là, ça fait pas très bien, là. Ça fait... Attends, ça fait style... Attends, et la pollution, là. Oh, c'est bon, là. Ben non, mais ça fait pas bien. Faut mettre ça sur un petit panneau, là. Sur l'herbe. Attends, ça, c'est pas trop propre, quand même. Les écologistes, ils vont venir... Les écolos, là, les hipsters. Attends, avoir les associations sur le cul, là, c'est bon. Hein. Non, mais c'est vrai. Bah, t'imagines, j'aurais fait ça tout seul ce soir. Bah, l'émission, elle serait déjà finie. Voilà, moi j'ai plus de peinture. Bon bah, ok. Bon, on retourne à la radio. Ouais, on va en mettre un petit peu sur la façade de la radio déjà. C'est attention. Attention. Ah bah tiens. Mis deux. Ah bah. Eh, il a piqué notre idée. Moi, je vais en mettre... Ah oui, il y a déjà du monde. Moi, je vais mettre ça, là, dans le coin, là. Attends, bouge pas. Attends, faut en mettre une ici. C'est bien de mettre en face, mais faut mettre ça, là. Regarde ça. À la hauteur de la fenêtre. Ça, c'est du cadrage. C'est de l'alignement, ça. Ça c'est l'alignement et c'est ici qu'il faut mettre dans les carrefours. Là j'avais plus le son, j'entendais plus rien parce que moi j'ai mis carrément le son dans le studio. Ouais.
C'est pour ça, ça s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Donc je l'ai remis en route. Oh, what is love? Non, moi. Ah, attends, c'est de ma génération, ça. Il a bien fait de mettre ça. Non. Alors, non. Non, What is love? Ah ouais, Monsieur Béradio, peut-être aussi. Eh. Monsieur Béradio. Bah, on sait pas comment tu t'appelles alors. Bruce. On va t'appeler Michel. Comment tu t'appelles Bruce? Bruce Wayne. Eh, j'ai une question. Je viens de faire un zoom sur les lampes là, c'est incroyable ça. Ah, c'est excellent, t'as vu hein? C'est des micros. Tu seras Monsieur Béradio, un point c'est tout. Ah bah ouais, merci, c'est Michel. Sympa. Moi je vais t'appeler Michel. Michel, Jackie. Michel. Et là, Jackie à côté de moi. Du coup, Michel, je voulais te poser. Ouais, Michel. Alors, c'est bien Béradio? Nous, ouais, c'est pas mal, ouais, non, on travaille. Du coup, vous avez des nouveaux concurrents là, du coup? Ou vous êtes le même groupe? Comment ça, des nouveaux concurrents? Bah, Yuri Popov, alors. C'est un studio. Je te laisse venir vers moi, Yuri. C'est pas une radio. Ah, Century, ouais, c'est un studio, ouais. Bah, ça dépend, c'est combien de temps que tu veux leur. Attends, tu peux parler? On avait convenu, c'était 90 toutes les 5 semaines. Tu peux faire radio là? Allez, 90 toutes les 5 semaines. Moi, tu veux que je reparle? Je vais aller regarder les messages parce que ça. Tu veux gagner 50 000 dollars? J'ai payé 100 et quelques mille et après c'était 90. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est toi ou c'est. Lui, il fait quoi dans la bande là? Lui, dans la bande, lui, il s'occupe de la police. Il est technicien. Les voix off. On s'occupe de publicité. Vous êtes deux à faire la voix off? Non, c'est non, moi non. La voix off non, et lui la voix c'est la pub. En fait, c'est le 80, montage. 5 peu. Semaines, t'es sûr 2 semaines offertes à chaque fois. Attends, t'es le montage ouais, et lui t'es la voix. T'avais fait le jour. La voix, ouais. Okay, en fait, t'es à peu près comme la dame de la SNCF, quoi. Si, c'était ça. Tac, bouge pas, attends, je le note. Ok. Donc lui, il fait les bruitages derrière et toi, tu fais juste parler à un texte. Il s'occupe de la programmation musicale aussi. Ah ouais, c'est lui qui fait passer de la merde. Ta voix off, technicien et animateur. Cédric, il a l'air un peu aigri. Aigri, Cédric? Non, oh. Jamais. Ah ouais, Cédric, c'est dans votre voix, le mec le plus aigri que je connaisse. La plus aigri. Non, il y a un chauve dans mon entreprise, il est vraiment aigri. Hein. C'est lui qui s'est occupé de mon baptême, regarde aujourd'hui où j'en suis. Ah. Excellent. Cédric l'aigri. C'est vrai que vous devez l'embaucher lui, il m'a donné un parfum. Bah. Du coup il a l'air sorti. Ouais, vous voyez. Ouais. Ah c'est pas nous qui nous occupons de ça, hein. C'est le grand directeur. Cédric. Cédric encore une fois. Grand directeur. Ouais. Là. Oh là là. Nous on est juste laveur des voitures. Hein. Nous on lave les voitures, c'est tout. Et du coup vous avez fait comment pour entrer dans notre réseau? Ah ça on le dira pas. Top secret. On a appelé Cédric. Il est arrivé par la porte de derrière. Non mais je te dis, on a lavé les voitures et les paillassons. T'as lavé son pied. Non, c'est voilà. La porte de derrière, mec. Tu devrais la visiter. La porte de derrière. Il y va en plus. Il a rien compris. Non, il a rien compris. Non. Ouais, c'est ça. La porte de derrière. Celle-ci. Ah, ok. Ah, ok. Ah, le coquinou. Ah, Cédric. Non, il fait dodo dans sa tablette. Non, il est occupé, là, ouais. Faut pas le déranger quand c'est comme ça parce qu'il va mal le prendre. Il va être aigri. Bah, il est... je l'emmerde, moi. Oh et ben, Tiens, Cédric. Regardez. Tada. Wow. Ouais. Il est nouveau. Je sais. Pa. Toi aussi, t'as ouvert la porte de derrière. Wow. Ouais, trop bien. Ouais, t'as joué. Ça. T'as joué en fait. T'as gagné. Cédric. Moi? Ouais. Vous embauchez ou quoi ici? Ce soir? J'ai joué 6 fois. Et ce soir, t'as joué? Oui, regardez. Wow! D'accord. Mais. Non, je sais pas, j'ai des sacs, mais je sais même pas ce que ça sert à quoi alors. Wow! Aïe! Non, t'inquiète, ça fait pas mal. Oh! Yves! Calme-toi, Wesley là, oh!
Non, t'inquiète pas, ça fait pas de dégâts. Non, ça va. Normalement. Mettre dans les fesses, mais c'est... Normalement. Ah, arrête, hey, Wesley, calme-toi. Couchez, Wesley. Cédric. Il a mis ça sur. Il a ouvert la porte. Ah, ouais. Il nous dit ranger. Il est marrant, lui. Il a refermé la porte aussitôt. Il fait oh. Si t'as besoin de renouveler un peu ton annonce jingle, tu me le dis, hein, pour changer un peu le texte, parce que... En même temps, bah, si tu veux te faire un kiff, fais-toi un kiff, frérot, tu m'en fais plusieurs, avec plaisir. Ouais, ça permet de renouveler un petit peu, que ce soit pas tout le temps le même, quoi, en fait. Mais vas-y, clairement, vas-y. Même des plus courts. Bah super, dans ce cas, ok. Mais en soi, reprends bien le principe de la musique que j'adore, hein. Ta-na-na. Ouais, ça permet un peu de... Ouais, ça permet de renouveler un peu, parce que c'est toujours le même, sinon, après... C'est un peu normal aussi de changer, c'est depuis le mois de mars qu'on avait fait ça. Bon, ça date, hein. Ouais, ça date. Tu souhaiterais avoir aussi quelques voix de films, d'acteurs de films. Fais comme tu veux, comme ça te plaise, hein. Ah bah super, alors on va rajouter quelques petits trucs assez sympas. Il va se faire plaisir, tu verras. T'as kiffé grave ? Ouais. Vas-y, présente-moi tes pièces d'identité, s'il te plaît. Et pour combien tes lunettes ? Moi, mes lunettes ? Bah, je vais vendre. Ah, c'est pour la RS6. $50,000. $50,000. Ouah, abuse. Ouais, bah, c'est les $50,000. C'est des lunettes de Bay Radio. Attends. Oh la vache. C'est pour rentrer. L'autre, elle est là-bas. Attends, je vais ramener. Ah, bah, d'accord. ça va. Parce que je suis un jeune permis, moi. Tu vois, l'assurance, ça va me prendre beaucoup pour celle-là. Bah, alors, attends, c'est un jeune permis quand même. Le daron, il passe des bombes de peinture. Oui. Il te reste des bons de peinture ? Oui. Yes. File-la-moi, yes, s'il te plaît. Yes. Ok. Il t'en faut une ? Mais franchement, tu présentes bien. Franchement, j'aime bien. C'est gentil. C'est moi, je lui ai tout appris. Non, tout est dans la voix. C'est grâce aux voix off, en fait. C'est ça. Ah, lui aussi, il a une belle voix. Bah oui, c'est moi qui fais l'annonce de l'émission, en fait. Bah ouais, les deux là, franchement. C'est... Non, bah après, on reste voix off et technicien, donc voilà. La star, c'est Cédric, c'est pas nous. Non, arrête. Moi, j'ai pas votre talent, c'est pour ça. Ah ouais, bah impeccable, c'est super. Attends, regarde ce qu'il est en train de te faire. Radio, là ? Non, je mets le petit A quand même. C'est un jeune conducteur. Mais ah, ouais. Merci. Ah, merci, trop bien. Tu peux faire une photo devant mon gars, s'il vous plaît ? Je vais la partager. Bah, voilà. Là, les gars, venez derrière. Les gars, faut venir derrière. Oh, c'est risqué ce que tu fais là. Voilà, nickel. Ah, brosse-moi les cheveux. Merci. Allez, pas de problème, t'inquiète. Hey Wesley. En tout cas, une bonne soirée, les gars. Wesley. Non, attends. Hey, les véhicules à rentrer. Attends, putain, c'est vite fait. C'est Emma. Alors, vas-y.